commence par un mot de bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Je suis content de voir que vous êtes toujours présent à nos après-cours puis que vous êtes là pour participer. En même temps, comme on vous a envoyé la semaine dernière un petit questionnaire pour préparer la rencontre d'aujourd'hui, je vais aussi vous remercier de votre participation à ces questionnaires-là. Ça nous aide beaucoup à se faire une idée sur l'angle qu'on va prendre pour nos discussions. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de la journée réseautage du 15 avril de l'EQFGA. Ensuite, on va se lancer sur la culture de collaboration. On a mis pêle-mêle une couple de thématiques. Je vous dirais aussi qu'avec ce que vous avez répondu à notre sondage de la semaine dernière, je vais aussi vous inviter à participer puis à vous mouiller un peu, puis à dire comment ça se vit chez vous, ces différentes réalités-là. Je vais faire ça tout de suite pour ce qui est du réseautage du 15 avril. On a trois personnes qui ont accepté de participer à organiser la journée. Puis l'idée de la journée thématique réseautage, c'est pas nécessairement là, de vous présenter des contenus, mais plutôt de mettre à l'avant des contenus pour susciter les échanges puis les partages. Les thématiques qui ont été retenues, je les ai mis dans le document collaboratif. C'est encore embryonnaire, mais ça s'enligne pas mal pour ça. On va regarder c'est quoi les ressources que les conseillers pédagogiques ont à leur disposition. En se préoccupant en particulier des nouveaux conseillers pédagogiques, quand on est nouveau, où sont nos documents de référence, quels sont les textes sur lesquels on peut s'appuyer, où est-ce qu'on peut trouver des textes, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide quand on commence. On est en train de réfléchir aussi à parler des formations, puis je vais tenter une approche avec l'Université de Sherbrooke pour voir si quelqu'un pourrait venir nous parler brièvement, une petite présentation peut-être sur le référentiel de l'AGE compétent du conseiller pédagogique auquel l'université a participé, mais aussi nous parler brièvement de la formation du microprogramme en conscience pédagogique. Puis on voulait aussi en après-midi parler de la problématique des outils de suivi puis de cueillette de données. Et puis, entre autres, dans tout ce qui est comme littérature sur les CAP, on dit qu'il faut s'appuyer sur des données, mais il y a la problématique qu'en FGA, les données ne sont pas toujours faciles d'accès, on ne les a pas tout le temps. Comme je disais à un groupe cette semaine, si aux jeunes, on a les quatre bulletins dans l'année qui nous donnent le temps d'avoir un portrait juste puis de pouvoir se réajuster, bien, en formation générale adulte, souvent la seule note qu'on a au dossier, c'est la note finale d'un élève. Fait que des outils de suivi, ça pose un problème. Puis on va avoir une discussion en après-midi lors de la journée réseautage. Qui va porter là-dessus. Fait que je tiens à remercier déjà les gens qui sont présentés là-dessus. Donc, on a Dominique Beaudoin qui est conseillère pédagogique en Abitibi. On a Stéphane Saint-Pierre qui est en Outaouais. Puis on a Michael, j'ai oublié son nom de famille. Je l'ai noté quelque part, hein, mais De qui Lille. merci, Michael Delisle, qui est dans le bureau voisin de DAPA, à la CSDM. Donc, ces trois personnes qui ont accepté de co-animer la journée réseautage. Comme je vous ai dit dans la dernière rencontre, même si je veux participer à la journée, je risque d'être appelé à d'autres tâches, donc je ne peux pas prendre la co-animation de la journée. Donc, c'est trois personnes qui ont accepté de prendre le taureau par les cornes et d'organiser la journée. Fait que voilà pour l'AQFGA. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions ou des commentaires sur la journée de réseautage ou des suggestions à faire. Si vous voulez vous manifester, vous savez comment lever la main. Puis je prendrai le temps de vous écouter. Sinon, ben, avec mon collègue Dapan, hier, on avait une rencontre commune où on a parlé un peu de la collaboration sous l'angle des CAP hier, mais en général, la collaboration, comment ça se passe. Il y avait donc, je m'étais dit que j'allais regarder de mon côté pour voir ce que les recherches puis les discours scientifiques nous disent sur la culture de collaboration. Je voulais essayer de voir avec vous c'est quoi les défis, c'est quoi les forces qu'on a pour avoir la culture de collaboration, puis peut-être parler brièvement de la compétence conjuguée. Mais si vous permettez, je vais aller
D'abord, dans le questionnaire qu'on vous a envoyé cette semaine, il y avait les commentaires dans la question, quelles sont vos questions, vos préoccupations sur la pratique collaborative? Il y a des gens qui disaient, bon, il y a des gens qui ont nommé qu'il y avait des caps depuis 3 ans, mais qu'ils n'ont pas l'impression encore de toucher au vrai sujet. Il y a des gens qui se demandaient c'est quoi les leviers, les stratégies, puis les trucs pour stimuler le travail d'équipe. Il y a des gens qui parlaient de la pratique collaborative avec la direction, puis de la pratique collaborative avec les enseignants. Comment vous faites pour aborder la pratique collaborative. Il y a quelqu'un aussi qui demandait comment on fait pour aborder la pratique collaborative sans surcharger les gens, c'est-à-dire qu'ils voient ça comme une surtâche. Il y a quelqu'un qui nous a écrit c'est quoi les étapes pour mettre en œuvre une CAP, c'est quoi les défis puis les problèmes que vous avez vécu. Je sais qu'on en a parlé la dernière fois, mais c'est encore une préoccupation. Fait que s'il y a des gens qui ne s'étaient pas exprimés puis qui vivent des CAP, vous aurez peut-être le loisir de partager à ce sujet-là. Sinon, comment faire pour convaincre les gens que la pratique collaborative est gagnante? Il y a des gens qui aimeraient savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs au niveau de la pratique collaborative. Fait que s'il y en a parmi vous qui vivent des choses par rapport à la pratique collaborative, j'aimerais ça que vous vous manifestiez pour nous dire ce que vous en pensez. Il y a des gens qui se posaient la question, comment on fait pour recueillir des données ou d'avoir de l'information pour les CAP? Je ne sais pas si chez vous, il y a des gens qui ont mis en place des choses pour faire de la cueillette de données, pour pouvoir alimenter les réflexions dans les CAP. Puis, quoi d'autre? Il y a des gens qui disent, j'ai beaucoup d'influence, mais des fois, je ne sens pas que c'est suffisant pour faire bouger les gens. Donc, il y a quelqu'un qui se demandait comment on fait pour amener les gens à bouger, puis à se mobiliser. Pour faire du travail collaboratif. Je vous ai lu toutes ces questions-là parce que je me disais à ce moment-ci, s'il y en a qui ont des pistes, je voulais que vous puissiez entendre les questions qui ont été posées par d'autres personnes, puis que vous ayez une occasion de vous manifester si vous avez des suggestions, des interventions à faire là-dessus. Je vous rappelle qu'en tout temps, vous avez juste à cliquer sur la petite main en haut pour la lever si vous voulez avoir le droit de parole, mais on a besoin de vous entendre. Parce que c'est intéressant, des fois, ce que dit Martin Barre, mais moi, personnellement, j'aime bien entendre les autres personnes aussi, alentour. Sinon, la recherche dit? Sur un des sujets, entre autres, qui est amené, j'ai eu à lire un texte de M. Potvin sur la résistance des enseignants par rapport aux données probantes. Vous savez que dans nos milieux, souvent, on nous demande d'apporter des données probantes aux enseignants. Puis on leur dit, c'est important de vous appuyer sur la recherche. La recherche est bien importante. Mais ce que M. Potvin fait remarquer, c'est qu'en général, les enseignants n'aiment pas beaucoup se faire parler de recherche. Puis surtout, ils accordent une valeur importante à leur savoir d'expérience. Et ça peut être problématique. Ce que M. Potvin propose dans son texte, puis si j'y pense, j'irai vous déposer le texte dans les lectures à faire. C'est un extrait d'un chapitre que j'ai lu. Ce qu'il dit, c'est, ben, dans le fond, le savoir d'expérience, ça a une importance. C'est important d'en tenir compte. Puis, il faut se rappeler que le savoir scientifique, quand on lit une donnée probante, ben, l'information, elle vient quand même de l'expérience. Donc, on ne peut pas balayer l'expérience, puis ce que les gens de terrain pensent. Donc, on ne peut pas balayer ça de la main. Mais en même temps, ce que le savoir scientifique fait, c'est qu'il vient structurer puis il vient formaliser ces savoirs-là. Mais c'est des savoirs qui doivent cohabiter. Puis, je l'ai dit dans plusieurs tribunes dernièrement, dans les derniers 2, 3 ans. Moi, maintenant, quand j'approche les enseignants avec des données probantes, je prends toujours le temps de leur expliquer en début. Je vais vous présenter aujourd'hui des données probantes, mais sachez que les données d'expérience que vous avez sont très pertinentes. Puis, si on se fie à l'utilisation des données probantes qui se font dans d'autres domaines scientifiques, il y a plusieurs auteurs qui vont vous dire, ça prend les données de recherche scientifique,
Mais ça prend aussi des données d'expérience, des données de terrain, puis ça prend une considération pour les besoins des clients pour prendre des décisions. Fait qu'en éducation, on dit qu'on ne devrait pas prendre de choix pédagogique sans s'être inspiré de l'expérience des enseignants, sans avoir validé les besoins des élèves, puis sans avoir consulté ce que les recherches puis le savoir scientifique disent. Donc ça, il y a quelque chose à garder en tête de ce côté-là. Je vous dirais, il ne faut pas arriver à une équipe de profs et leur dire, ben, les recherches disent que telle stratégie est gagnante, donc tu vas l'appliquer même si tu n'y crois pas. Il ne faut pas prendre cette approche-là, il faut plus les amener du côté de la réflexion. Je regarde rapidement du coin de l'œil, même si je n'ai pas le fait, mais je vois une intervention de Sylvie que je trouve intéressante. Sylvie suggère qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui parle depuis plus que 5 minutes. Donc, présentement, ce qu'on fait dans le préco, ce n'est pas bon. Mais donc, de limiter les interventions à 5 minutes par personne, ça favorise les échanges, c'est ce que je comprends. Parfait. Y avait-il d'autres choses d'après que tu as lues qui étaient pertinentes? Je n'ai pas tout lu. C'est une question un peu qu'on traitera peut-être dans les divers. C'est à propos de l'organisation des ateliers en sciences. Donc, j'ai dit que j'allais en allant en parler plus tard. Donc, j'allais te faire pour que tout le monde donne son opinion là-dessus, ceux qui organisent des cours en sciences. OK, oui, on pourrait effectivement, je vois la question de Natacha, tu dis, Oui. on va prendre en note pour y revenir un peu plus tard. Sinon, pour la culture de collaboration, peut-être j'aurais le goût de vous entendre. Quelqu'un voudrait nous dire, n'importe qui, c'est quoi vos défis par rapport à la collaboration chez vous? À quel niveau ça se situe les défis? Nous autres, dans le fond, t'sais, ça fait 3 ans qu'on est en essai de s'approprier les CAP, la communauté d'apprentissage. Je vous dirais que notre direction, comment qu'elle nous a amené ça, à la base, c'était, elle a rassemblé toutes les responsables matières, puis on a mensuellement des rencontres pour voir où est-ce que chacune de nos équipes se trouve, puis nous coacher un petit peu sur comment justement amener une collaboration avec nos collègues, là, t'sais. On a toujours des apports théoriques à chacune de ces rencontres-là de responsables matière. Mais une chose que nous autres, on remarque, ben, que moi je remarque qui est une difficulté chez nous, où est-ce que ça bloque beaucoup, là, c'est moi qui avais dit le premier commentaire, on effleure beaucoup les sujets. On veut pas, j'ai l'impression que on veut pas. Comme si c'était une faiblesse que de dire on a une problématique en, je sais pas moi, en anglais, secondaire 3, les élèves décrochent toutes, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire, mais ça, c'est comme si c'est devenu fesser notre orgueil ou je sais pas exactement quoi, mais c'est difficile pour un enseignant d'aller admettre puis d'aller discuter ouvertement d'une problématique comme ça, comme si je sais pas s'il le voit comme un échec personnel, là, mais c'est que ça fait en sorte que même si ça fait 3 ans qu'on est en collaboration, qu'on partage beaucoup d'éléments, quand c'est le temps d'aller dire publiquement dans notre comité, c'est quoi les éléments sur lesquels il faut se pencher collectivement tout le monde, peu d'éléments sortent. Peu d'éléments sortent, c'est souvent c'est superficiel, là. Tantôt, je voyais, ah, les élèves s'absentent. Oui, c'est vrai, c'est une problématique, les élèves s'absentent. Mais si ça, c'est la cause de quelque chose d'autre, d'après moi, il s'est passé quelque chose qui fait en sorte que l'élève s'absente. Et non, l'élève s'absente, donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là, mais tu sais, on prend le résultat comme étant la problématique, mais il y a un pas à faire avant que ce problème-là arrive. Mais c'est dur d'aller ouvrir, on va dire, ce sujet-là, parce qu'on se sent tous jugés. Tu sais, je veux dire, moi, le premier, quelqu'un viendrait dans ma cour, me dirait, Marc-André, ça marche pas, telle affaire que tu fais, on va le travailler ensemble. Ben, peut-être que ça viendrait fesser mon orgueil, puis j'aimerais moins, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, nous autres, notre problématique, c'est d'aller vraiment creuser c'est quoi nos éléments qui sont problématiques, puis comment on peut collectivement travailler là-dessus. Tu sais, moi, je fais beaucoup de statistiques chez nous, puis taux d'absence, taux de décrochage dans certaines matières, le nombre d'échecs, mettons le nombre d'examens que l'élève va pour réussir à passer, le temps que ça prend, etc. Puis, tu sais, ça fait partie, on va dire, quasiment de mon temps personnel, là. C'est plus que dans mon mandat, je le fais parce que je trouve que c'est pertinent que d'arriver, tantôt vous parliez de données.
C'est frappant que d'arriver avec une donnée, bien, regardez tout le monde, moi je ne veux pas donner aucun jugement, mais mettons moi dans mon équipe de maths sciences, je suis arrivé avec toutes nos statistiques de nos élèves en 11.01. Voilà le temps que ça prend en moyenne. Voilà le nombre d'évaluations qu'ils font en moyenne pour réussir. Voilà le nombre qui n'ont pas fait d'examen malgré ce temps-là. Et tout sigle confondu. Ça fait que, tu sais, au final, on est comme dans une phase 1 de la CAP, là, de commencer à aller en discuter un petit peu, de dire, OK, bon, ben là, on a ciblé, c'est quoi notre problématique majeure, mettons, en maths sciences, c'est quoi nos éléments sur quoi on va travailler, mais on a ciblé notre problème collectif, mais on reste toujours sur le superficiel, on n'ose pas trop aller trop en profondeur. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi vraiment à aller fesser des points dans ce sens-là, que le monde aille vraiment se vider, dire, OK, là, on a vraiment une problématique. Let's go, c'est beau, on embarque tout, mais on n'est pas rendu là, nous autres. Fait que, mais c'est ça, c'est mon intervention. Ce que je retiens, Marc-André, c'est que tu nous dis un des défis pour la pratique collaborative, c'est d'être capable de nommer des choses qui sont problématiques sans que ça nous retombe dessus, puis sans qu'on sente qu'on est jugé ou qu'on soit en train d'avouer qu'on a des difficultés. Je l'ai noté dans le compte rendu. Stéphane, tu as levé la main, tu voulais intervenir. Je ne sais pas si c'était sur ce que Marc-André disait ou si tu voulais ajouter quelque chose. On t'écoute, Stéphane. Oui, bonjour. Ben, moi, je voulais juste faire un petit peu de pouce sur ce que Marc-André disait, parce que chez nous aussi, ben, il semble que les CAP, ce soit un bon laboratoire pour la culture collaborative. Chez nous, ça fait 2 ans qu'on a une CAP. L'année passée, c'était les enseignants qui étaient séparés, c'est-à-dire enseignants de mathématiques d'un côté, enseignants de français de l'autre. Cette année, on a jumelé les enseignants de français avec les enseignants de mathématiques. Ce que je remarque, là, depuis 2 ans, bon, ben, premièrement, il faut que le climat de confiance s'installe. Ça, c'est pas simple. Ça se fait pas en criant ciseaux. Parce que comme les gens ont dit, puis je l'ai vu aussi dans le clavardage, c'est que les gens ont peur d'être jugés. C'est un peu normal aussi, parce que quand on vient jouer un peu dans notre plate-bande pédagogique, c'est sûr que ça peut créer de l'insécurité, de l'instabilité. Moi, ce que j'aime beaucoup dans nos CAP, évidemment, on n'a pas de solution, là. Je ne suis pas là pour apporter des solutions. On vit les mêmes problématiques qui ont été soulevées. Mais ce que je remarque, c'est qu'on a un point qui s'appelle l'élève dans ma tête. Alors ça, des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça ne fonctionne pas bien, là. Mais dans le fond, grosso modo, c'est qu'un enseignant se lance, puis il dit, bon, mais avec tel élève, j'ai essayé telle affaire, ça n'a pas fonctionné finalement. Puis à plusieurs têtes, on essaie. Évidemment, on n'est pas là pour donner des conseils à l'enseignant qui a partagé l'élève dans sa tête, mais l'idée, c'est qu'ensemble, est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut réfléchir à des solutions avec l'élève? Comme j'ai dit, des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça ne fonctionne pas. Ce que la directrice disait à la dernière rencontre, je trouve ça intéressant. Une CAP, ça peut prendre quand même là, quelques années avant qu'on sente qu'on s'en va quelque part. Alors, ça peut. Les gens qui sont impatients, ben, c'est sûr que une CAP, faut être patient, là. Ça prend du temps avant que les choses se développent. Chez nous, c'est la littératie qui a été ciblée. Je vais en reparler peut-être un peu plus lors du pré-congrès, mais en tout cas, c'est sûr, je voulais juste renchérir sur ce que Marc-André disait, dans le fond, parce que c'est vrai que c'est la peur d'être jugé, c'est un gros morceau, puis il faut casser ça, puis c'est pas évident. Merci, puis merci pour ton encouragement. Donc, ça va prendre plusieurs années avant que ça soit fonctionnel. C'est super encourageant. Quand ça part, en fait, ce que la littérature dit sur les CAP, c'est que le but d'une CAP, selon certains auteurs, c'est justement de changer les façons de penser, puis c'est de créer des nouveaux automatismes, puis des nouvelles façons de pratiquer pour répondre à des besoins. Fait que le fait de se réunir en CAP, ça peut permettre d'échanger sur un sujet, mais avant d'en arriver à changer nos façons de penser, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Fait que je pense que quand on garde ça en tête, ben on peut vivre avec le fait que oui, ça va prendre du temps avant d'avoir les effets, mais effectivement, ça va sur plusieurs années. Oui, tu disais aussi. Chez vous, vous avez choisi de tenir des rencontres multidisciplinaires. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est à réfléchir effectivement. Parce que
ça peut réduire effectivement, je pense, le. Tu sais, déjà, quand c'est un prof de français qui dit ah, moi, dans ma classe, je vis telle chose, puis là, que le prof de français dit ben nous aussi, on vit ça, des fois, ça réconforte, puis ça enlève moins l'idée d'être jugé. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis il y a d'autres choses que tu as mentionnées que tu trouves intéressant. Oui, quand tu dis garder l'élève en tête, effectivement, j'ai entendu ça dans plusieurs rencontres. Quand notre rencontre n'apporte pas sur nos pratiques, mais apporte sur les résultats de nos élèves, quand la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour que nos élèves réussissent plus, bien, comme on ne met pas le focus sur l'enseignant, mais on met le focus sur l'élève, des fois, ça peut aider à être capable de nommer des choses sans se sentir tout de suite visé. Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense, pour briser le sentiment d'être jugé puis la crainte de parler de problème. Ça, c'est pas mal les réflexions qui me viennent en tête après l'intervention de Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui tiennent des rencontres multidisciplinaires puis qui mélangent des profs de français, anglais, mathématiques et autres? Il me semble avoir entendu qu'il y a beaucoup d'endroits, ben beaucoup, plusieurs endroits où on a français et anglais des fois ensemble, mais est-ce que c'est la même chose pour les maths, les sciences? Est-ce que ça se mélange autant? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? J'aurais aimé ça peut-être si quelqu'un pouvait se manifester là-dessus. Je vois passer Sylvie qui dit on a français et anglais. On avait français et anglais à nos débuts. À nos débuts, j'en conclus que c'est plus le cas maintenant. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui veulent nous dire comment ça se passe chez eux par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que vous essayez de faire chez vous, de mixer les équipes? On a Mylène. Oui, Mylène, tu veux t'exprimer sur. Bonjour tout le monde. J'avais tout d'abord une question à savoir comment ça se passe, parce que nous, on est encore dans une rencontre par matière, rencontre maths, rencontre français. Là, nos équipes diminuent avec la clientèle. Donc, ce serait peut-être pertinent justement de mixer les deux, mais j'aimerais savoir c'est quoi l'expérience, comment ça se vit dans vos centres, ceux qui ont mixé les deux. J'imagine que, bon, c'est ça, le sujet est toujours l'élève et non pas le contenu, les contenus matière. Puis, ça représente combien d'enseignants là, par comité? C'est ma question. Parfait, merci. Je ne sais pas s'il y a des gens qui... Ah, on a Stéphane? Oui, c'est ça. Chez nous, en fait, ça représente à peu près, je dirais, 7-8 enseignants par équipe. On a une équipe, dans le fond, on a deux centres. On a une équipe par centre, avec des réalités très différentes en plus, parce qu'il y a un centre où les élèves sont beaucoup plus jeunes. Dans l'autre centre, il y a un petit peu plus de toutes sortes de groupes d'âge. C'est la première année qu'on le fait avec les enseignants de français et mathématiques. C'est pas évident. Je vais vous dire que, évidemment, premièrement, ce qui est ressorti beaucoup, c'est le sentiment, les enseignants de mathématiques se sentaient incompétents par rapport à la lecture. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un pas de recul. Faut pas montrer que juste les enseignants de français qui maîtrisent des stratégies de lecture. Fait que faut repartir à la base avec des stratégies super simples. Mais évidemment, on est encore, au balbutiement de tout ça. Je trouve ça intéressant au moins qu'il y ait une collaboration entre les enseignants de français et de mathématiques. Ça se passe bien pour certaines équipes, pour d'autres équipes, c'est plus compliqué. Mais bon, on en est là pour le moment. Une activité que je trouve intéressante, c'est par exemple, prendre une petite stratégie de lecture au niveau du vocabulaire. Par exemple, on a parlé d'un journal lexical. Donc, l'élève va chercher des mots difficiles dans des problèmes de mathématiques, pas nécessairement, ça peut être en français aussi, mais disons, dans des problèmes de mathématiques, il se monte un journal lexical. Je ne vais pas expliquer toute la stratégie, mais puis là, l'élève peut arriver avec son problème de mathématiques en français, puis retravailler cette stratégie-là encore, donc pour renforcer la stratégie. Ce qui fait en sorte que l'élève peut apporter autant son cahier de français que son cahier de maths dans les deux matières. Puis, si on s'est entendu sur les stratégies, les deux enseignants peuvent travailler la même stratégie avec l'élève. On n'a pas de résultat encore par rapport à ça, là. Je veux juste dire que c'est vraiment, on est vraiment au début. On espère que ça va continuer aussi, mais bon,
Comme on a dit tantôt, il y a toutes sortes de problématiques. Des fois, les enseignants ont ciblé certains élèves. Ces élèves-là s'absentent. On en a parlé, là, des différentes problématiques qui peuvent survenir dans ces partages-là. Mais bon, c'est une première. On a essayé cette année. Je pense que ça va se poursuivre l'an prochain. Peut-être que l'an prochain, on aura un peu plus de données par rapport à ça. Mais je dirais que la collaboration se passe relativement bien là, dans ces débuts-là. Je ne sais pas si je réponds à la question de Mylène, là, mais... Merci Stéphane. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vivent des cas de l'équipe multidisciplinaire puis qui voudraient répondre à Mylène. Puis je ne sais pas, Mylène, toi, si tu avais un commentaire à l'intervention de Stéphane. Non, je n'avais pas vraiment de commentaire, mais c'est ça, je vois que c'est ça, sont au début, puis l'approche était, il l'a dit, pour la littératie. Mmh. Donc, je les trouve audacieux. Mais je trouve ça très intéressant, vraiment. Fait que, à suivre, je vais peut-être embrancher ça l'année prochaine. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent des situations de multidisciplinaires? Moi, je vous dirais que dans le cadre de mon travail, on a deux centres principaux dans notre commission scolaire. Ils sont tous sous le chapeau d'un même centre. On n'est pas encore dans les rencontres multidisciplinaires dans la majorité des cas. Mais par contre, ce que Stéphane nommait, on a deux édifices. Puis ce qu'on va faire, qui est un peu multi déjà, c'est des fois d'asseoir des enseignants des deux édifices, qui historiquement étaient des édifices séparés, qui maintenant sont fusionnés sous le même chapeau. Puis les habitudes sont encore là de travailler de façon différente. Ah ben, dans votre centre, vous faites ça, dans notre centre, on fait ça. Puis pourtant, maintenant, officiellement, c'est le même centre, mais avec des édifices séparés. Fait que des fois, d'asseoir les gens de deux édifices séparés pour essayer de mettre en commun leurs choses, des fois, c'est un petit défi. Mais un défi auquel on tient parce qu'on veut essayer d'aider les gens à progresser. Marc-André, tu avais levé la main, on va t'écouter. Bien, tantôt, la question de Mylène, excusez, j'ai Mylène, oui. Par rapport à multidisciplinaire. T'sais, nous autres, comme je dis, c'était notre troisième année qu'on travaille en multidisciplinaire, mais sur les sujets, comme je disais, vraiment profonds, on l'effleure à peine. Là. Mais notre première année a été super profitable parce que c'était l'objectif au final de notre direction, c'était de commencer à briser l'isolement des profs. T'sais, on est tous un peu... on est tous un peu dans notre classe à pas vouloir trop ouvrir notre porte. Puis après ça, ben là, on est en rencontre matière. Puis là, quand on est en rencontre matière, les responsables matière, ben, on n'ose pas trop ouvrir les portes non plus. Mais là, on avait un lieu où, puis t'sais, si on était choisi responsable matière, il y a des affaires que des fois, on était plus proactif que d'autres aussi. Hein. Fait que, t'sais, les rencontres disciplinaires de multidisciplinaires la première année, c'était beaucoup pour ça, de dire, bon, OK, comment vous vivez vos rencontres matières? C'est quoi le prochain pas qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien pour que le monde commence tranquillement à dire ce qu'il y avait à dire, toute matière confondue? L'année passée, ça a été plus commencer à nous mettre une vision en tête. Puis justement, tantôt, tu l'as dit, Martin, là, la vision de toujours axer nos actions sur la réussite de l'élève, de dire qu'est-ce qu'on veut pour l'élève au final. On a eu de l'accompagnement de conseillers pédagogiques sur... excusez, vous autres, c'est toute une gang de conseillers pédagogiques. Ben moi, je me fais accompagner par vous autres. On a eu de l'accompagnement d'une conseillère pédagogique, entre autres, pour le... Comment accompagner du personnel enseignant à changer? C'est quoi les phases du changement, les phases du changement là, pour réussir à apporter un changement majeur? Ça nous a donné, ça nous a décloisonné un petit peu l'année passée aussi. Puis là, cette année, on est à essayer de plus. Je cherche qui? Stéphane, je pense, qui a commencé à parler que maths puis français commençaient à travailler ensemble. Bien, nous autres, c'est un constat qui a été fait cette année de dire, ouais, en maths, on a des difficultés de lecture. Ça risque éventuellement d'être notre prochain pas qu'on va faire l'année prochaine, d'aller matcher comment on peut enseigner du français dans nos classes de mathématiques, parce qu'effectivement, toutes les résolutions de problèmes sont écrites en français. Fait qu'on est en train de tranquillement s'en aller là-dessus. C'est ça. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de travailler multidisciplinaire, ne serait-ce que commencer.
Tu sais, quand tu parles juste avec des profs de maths, quand t'es prof de maths, ben t'oses pas te dire tes vérités en tant que prof de maths parce que tout le monde sait de quoi tu parles. C'est plate à dire. Mais quand tu as des opinions externes avec un prof de français qui vient te questionner sur comment ça se fait que ta réalité est de même, ben le discours est un petit peu plus ouvert. Fait que, je vous dirais que si vous n'en avez pas dans vos commissions scolaires, pour vrai, ça reste un plus à avoir que de rassembler tout le multidisciplinaire dans une rencontre. Mais pour ça, il faut que tu aies une direction qui veulent aussi, c'est qu'il y a une vision qui veut pousser puis qui veulent la pousser. Non? Mais, en gros, ça fait 5 minutes que je parle. Bon, Sylvia dirait que c'est le temps que tu laisses la parole à quelqu'un d'autre. Il y a Stéphane qui va intervenir, vas-y Stéphane. C'est ça, j'ai les trucs en clavardage, ça reste un défi chez nous quand même. Puis, dans le fond, là, je suis en train de perdre l'idée que je voulais dire. Ça va pas bien. Là, je me sens un peu gêné. Mais Oui. si tu me permets, Oui. moi, ça me soulève l'idée de mettre du multidisciplinaire. Moi, mes premières interventions à FGA ont été à la QFGA, à des ateliers où c'était très générique. Puis je me retrouvais avec des enseignants de maths et des enseignants de français. Puis ce qui était fascinant, c'est de voir à quel point ils étaient surpris de voir qu'ils vivaient les mêmes réalités sur certains aspects. Puis ils étaient surpris de voir comment la façon que l'enseignante de français ou d'anglais répond à un problème, bien, ils pourraient le transférer en mathématiques. Fait que, j'ai toujours vu des gains, moi, à asseoir des enseignants de plusieurs disciplines ensemble. Le fait d'être assis ensemble en multidiscipline, ça fait qu'on ne parlera pas de discipline, mais on va parler de notre pratique d'enseignant, on va parler de notre rôle d'enseignant, puis de nos stratégies, puis de nos façons de travailler en tant qu'enseignant, puis nos pratiques. Fait que, moi, j'ai toujours vu ça comme un point gagnant. Puis c'est un peu ça que j'entendais dans le discours de Marc-André, là, que les profs de français et d'anglais, des fois, ils vont se challenger, puis c'est au niveau pédagogique que ça va se passer. C'est un peu ça qui ça allumait chez moi. Je ne sais pas si je t'ai aidé à retrouver ton idée, Stéphane. Oui, c'est bon, je l'ai retrouvé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ben, moi, je suis spécialisé aussi en français, c'est ça ma spécialité. Donc, ça demeurait un défi. Je me suis cassé les dents quelques fois aussi cette année parce que, effectivement, en regroupant des enseignants de français puis de maths, j'essayais d'être un peu plus neutre, mais c'était difficile. Mon côté spécialiste ressortait souvent, donc parce qu'il fallait que j'apporte des capsules pédagogiques dans les CAP. Puis, ben, des fois, c'était un peu trop compliqué pour les enseignants de maths, je les perdais. Mais dernièrement, là, j'ai comme fait un pas de recul, justement. Maintenant, puis moi, ça m'aide aussi parce que ça m'aide à comprendre la réalité des mathématiques. Maintenant, je pars toujours des mathématiques pour développer mes capsules pédagogiques. Fait que ça les implique plus. Puis en même temps, moi, ça m'aide aussi à me détacher un petit peu de mon côté spécialiste. C'est ça que je voulais ajouter. C'est bon? C'est bon, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient revenir sur ce sujet-là, le multidisciplinaire, ou sur d'autres défis par rapport à la pratique collaborative? Il y a des défis qui se pointent chez vous, peut-être soit soumettre une question ou nous soumettre comment vous êtes arrivé à développer cette culture collaborative chez vous. En fait, c'est ça qu'on travaille tous en même sens, dans le même sens, tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'exprimer sur ce sujet-là? Parce que sinon, je vais parler pour 5 minutes, puis ça va faire de la peine déjà. OK. Ben, je vous lance un peu. Chez nous, la collaboration, une des choses qui était vraiment importante au niveau de la collaboration, puis que les écrits, qui illustrent ce que les écrits disent sur la collaboration, il faut éviter d'avoir des positions hiérarchiques. Il faut éviter d'avoir des spécialistes, il faut éviter d'avoir des gens qui sont en autorité, puis des gens qui, par exemple, si vous avez une direction, il y a des enseignants qui vont avoir peur de parler, il y a des enseignants qui vont avoir peur quand il y a une direction de dire, ben dans ma classe, il y a des choses qui ne marchent pas bien parce qu'ils ont peur de se faire tourner contre eux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour une culture collaborative, s'assurer que les gens se sentent sur un pied d'égalité. Puis, c'est entre autres, dans un des écrits que je lisais, si les CP assistent à des rencontres comme des CAP, il ne faut pas qu'ils arrivent là en tant que spécialistes puis en tant qu'experts. Il faut qu'ils arrivent là plus avec des questions qui vont amener les gens à réfléchir qu'avec des réponses. Parce que si vous arrivez avec vos réponses, c'est un peu la fabuleuse fable qu'on connaît tous. Si vous donnez du poisson à quelqu'un, ça le nourrit pour une journée, mais si vous lui montrez à pêcher, ben, il va apprendre à se nourrir pour le reste de ses jours. Donc,
c'est un peu notre rôle d'accompagnateur, de ne pas prendre une position de « bouge pas, je vais te donner ton poisson », mais plus de les accompagner, de les questionner. Donc, si vous n'avez pas, si vous avez pas mis ça en place, vous allez avoir de la difficulté à avoir une culture collaborative. Donc, il faut s'assurer que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Puis, un peu comme dans un brainstorming où toutes les idées sont bonnes, ben, il faut éviter d'avoir des réactions « ah non, c'est pas ce qu'on voulait » ou « ah non, c'est pas ce qu'on cherchait ». Il faut avoir beaucoup d'ouverture pour amener la collaboration des gens à l'entour d'une table. Je regarde rapidement. Est-ce que quelqu'un peut apporter des indications sur la façon d'organiser un atelier multidisciplinaire maths français en lecture? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être répondre à la place sur ça? Ou comment vous mettez vos choses en place? Puis je vois Mylène qui dit qu'il faut être patient pour constater le changement de pratique. Oui. Oui, quand on est dans le changement, il faut changer les façons de penser, puis ça, c'est long. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut apporter des indications sur la façon dont vous avez organisé l'atelier multidisciplinaire maths-français en lecture? Moi, j'ai vu passer des choses, un peu comme il a été mentionné, je me souviens plus par qui tantôt, là, de stratégie de lecture avec les résolutions de problèmes, où c'est des enseignants français qui proposaient des façons de travailler. Stéphane dit qu'il y a des choses qu'il va essayer de partager dans le document collaboratif. Parce qu'évidemment, on comprend qu'il y a des. Il ne faut pas tout partager, mais merci de regarder s'il y a des choses qui se partagent. Mais je pense, d'après la question, c'est de savoir comment on peut organiser ça. Je pense qu'il faut asseoir les gens ensemble et qu'ils établissent c'est quoi la problématique qu'ils veulent régler et qu'ils cherchent des solutions ensemble, il me semble. Je ne sais pas si je compromets ta question. En fait, les deux, les ressources, s'il y en a, et puis éventuellement, pratiquement, comment ça s'organise, comment ça se met en place. Donc, c'est les deux. OK. Je pense que des fois, c'est ça, il s'agit d'asseoir les gens ensemble, puis de se poser les questions, c'est quoi les problématiques qui sont vécues, puis je pense que là, si les enseignants de mathématiques disent, ben les élèves ne comprennent pas telle ou telle chose, dans la lecture de leur résolution de problème. C'est là que les enseignants vont servir de leurs compétences en lecture pour proposer des solutions, j'imagine. Oui, moi, ça m'intéresserait vraiment d'entendre parler des gens sur le multidisciplinaire parce que, en fait, je trouve que c'est. Personnellement, on l'a vraiment expérimenté dans mon centre. C'est-à-dire qu'on a commencé avec seulement. En fait, on a commencé avec le français et l'anglais ensemble. Et quand ça a muté par discipline, je trouve qu'on a été perdants sur beaucoup d'expériences d'autres professionnels de l'enseignement en lien avec la DRS. C'est-à-dire que tout le monde a son expérience propre à sa matière aussi, propre à sa réalité de classe. Mais souvent, on partage une réalité semblable qui est soit le multiniveau dans notre sens, la même culture de sens. Je pense mm-hmm. qu'à ce niveau-là, on avait vraiment un meilleur lien à travailler de façon multiniveau. C'est-à-dire que, comme vous disiez tantôt, on avait le français qui pouvait donner leur avis. Leur vécu aussi par rapport à comment peut-être mieux implanter des façons de mieux mesurer les gains par rapport à la littératie dans d'autres matières. Et à ce niveau-là, je trouve que oui, je pense que c'est mieux, à mon expérience en tout cas, quand on mélange les matières. Voilà, c'est ce que j'avais à partager. Je n'ai pas dépassé 5 minutes. Merci. Mais en fait, j'ai déjà raconté aussi dans d'autres milieux, mais moi, j'ai commencé en enseignement avec la formation professionnelle. Puis, quand j'ai commencé avec le conseil pédagogique en formation professionnelle, une des choses qui me semblait bien évidente puis qui m'a surpris quand je suis arrivé en formation générale des adultes, c'est qu'en formation professionnelle, vous avez un centre où ils donnent un cours de mécanique, un cours de coiffeur, un cours d'informatique, un cours de secrétariat, un cours de vente. Puis, il n'y a aucun conseiller pédagogique qui aurait même l'idée
d'être spécialiste dans toutes les disciplines. Donc, un conseiller pédagogique qui arrive de la formation professionnelle, il va être vraiment un conseiller sur la pédagogie, sur les questions pédagogiques. Puis quand je suis arrivé en FGE les premières fois, j'ai été surpris de voir comment on cloisonnait souvent un conseiller pédagogique qui travaille avec les profs de français, qui travaille avec les profs d'anglais, qui travaille avec les profs de maths. Puis la culture de maintenir tous ces gens-là séparés, alors que moi, dans les ateliers que je faisais dans la KFGA, je voyais que quand j'assoyais tous ces gens-là ensemble, ben le sujet, ça devenait plus les mathématiques, ça devenait plus les résolutions de problèmes, ça devenait plus l'accord des parties passées, ça devenait la pédagogie. Parce que c'est ça le point commun entre ces enseignants-là. Puis assoyez tous des profs de mathématiques ensemble un après-midi. Ce ne sera pas là qu'on va parler de mathématiques. Assoyez des profs de différentes disciplines ensemble. On va parler de pédagogie, on va parler de gestion de classe, on va parler des élèves. Fait que pour moi, ça me semble être quelque chose qu'il faudrait cultiver. Il me semble que je l'ai mentionné dans un après-cours ou peut-être dans d'autres rencontres. Je fais un peu trop de rencontres de ce temps-là. Mais chez nous, la direction a décidé cette année de commencer à nommer des dossiers plus génériques pour l'équipe de conseiller pédagogique. Puis moins des disciplinaires. On a encore quelques dossiers qui sont disciplinaires. Je m'occupe encore des profs de matières à la commission scolaire, mais j'ai des dossiers qui sont vraiment génériques, qui font que je vais intervenir avec les profs d'anglais, que je vais intervenir avec les profs de français aussi. Puis de temps à autre, sinon on va rassembler ces enseignants-là ensemble pour couvrir ces dossiers-là qui sont génériques. Donc, je pense qu'il y a vraiment une culture à réfléchir et à développer de ce côté-là. C'est naturel d'asseoir les profs de français ensemble, mais est-ce que c'est ça qui est le plus efficace? Ben, je pense qu'il y a des sujets pour lesquels c'est peut-être pas la meilleure façon. Fait que je pense que c'est bien de se poser la question. Je sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir sur ce sujet-là, ou d'autres personnes qui voudraient intervenir, comme je l'avais mentionné. Il y a le côté de la relation collaborative avec les directions. Je sais que c'est un des sujets, entre autres, qui est couvert par la formation en conscience pédagogique. On va parler de la compétence conjuguée puis de l'alliance de travail entre le conseiller pédagogique et la direction. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient intervenir à ce sujet-là, si vous vivez des difficultés ou si, au contraire, vous avez des choses qui fonctionnent bien chez vous. Puis, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien, le travail entre les conseillers pédagogiques et la direction? Ou aussi, des fois, la relation entre les enseignants et la direction. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui voulaient intervenir sur ces sujets-là. Bon, ben, je me lance pour 5 minutes. Chez nous, j'ai la chance d'avoir une direction qui a étudié sur la compétence conjuguée puis qui l'applique vraiment. Ce que ça fait, c'est pas qu'elle n'a pas renoncé à... Notre directrice n'a pas renoncé à son droit de prendre des décisions puis de nous imposer parfois des décisions. Mais par contre, dans son approche, avant de nous imposer une décision, on est régulièrement consulté. Des fois, on va s'asseoir avec elle et elle va nous dire « Je pense que je vais prendre telle ou telle décision, je vais mettre en place telle ou telle politique pour telle ou telle raison. » Mais on sait, parce qu'on l'a vécu, qu'on peut dire « Ben, peut-être qu'on pourrait régler le problème autrement, peut-être qu'on pourrait mettre en place autre chose. » C'est arrivé à quelques reprises que notre direction a choisi, suite à une discussion avec une équipe de profs ou avec des professionnels, des conseils pédagogiques, de modifier, de retarder ou d'appliquer autrement des règles. Mais j'ai l'impression qu'elle faisait vraiment avec l'intention de nous faire comprendre qu'elle est contente qu'on l'alimente, puis contente qu'on la challenge. Mais c'est sûr que je pense que pour qu'une direction puisse agir comme ça, ça prend un certain niveau de confiance. Et je pense qu'à l'inverse aussi, il faut que nous, on démontre qu'on peut nous faire confiance aussi sur des informations, sur des décisions, des choses du genre. Donc, je pense qu'il y a, il y a un aspect là-dessus déjà qu'il faut travailler. Je vois que Sylvie nous dit qu'il y a un travail d'équipe qui se vit chez elle, qu'au début, la direction essayait de donner la responsabilité au CP. J'imagine que tu parles de quelque chose comme les cartes, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si tu voulais préciser, là, quand tu dis au début, on essayait de donner toute la responsabilité au CP. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup au sujet des CAP. Plusieurs CP à qui j'ai parlé me disaient, ben, ma direction m'a demandé d'organiser les CAP. Oui, c'est ça, Sylvie la confirme.
Et pourtant, tous les textes que vous allez lire sur les CAP vont dire l'importance que la direction participe, le rôle, le leadership pédagogique dans un centre devrait relever de la direction. Le conseil pédagogique, on a ce rôle un peu plus spécial là d'être entre les enseignants puis la direction, puis d'essayer de jouer un rôle conseil à ce niveau-là, mais on n'est pas, c'est peut-être pas notre place de leader ces projets-là. Autant que la direction. Mylène, tu voulais intervenir? Je vais te laisser, Oui, mais justement, en ce temps-ci, la commission scolaire fait des COP sur les CAP avec les directions. Donc, et là, on a été invités, les conseillers pédagogiques, secteur jeune, adultes, professionnels, à l'assister, dans le fond, ils nous ont présenté ce qu'ils font avec les directions pour qu'on comprenne bien c'est quoi l'approche, puis. La directrice des services éducatifs a dit non seulement c'est la direction qui gère, qui mène ça, mais elle dit les CP dans les vidéos sont même pas là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'affaires là, mais c'est-à-dire ils ont leur place, c'est ça, mais ce n'est pas un élément obligatoire. Donc, il y a une capsule à apporter, un contenu pédagogique qu'on peut apporter, oui, on est là, mais on n'est pas du tout. Puis je me suis fait un plaisir de le rappeler à ma direction parce que là, ce n'est pas des CAP qu'on fait, c'est vraiment des communautés de pratique, des rencontres matières. Puis c'est l'organisation, l'ordre du jour, l'animation, c'est moi. Puis même que là, il y a quelques fois où la direction n'était pas du tout là, puis à un moment donné, ça a mal tourné. Puis j'ai dit non. Là, je n'y vais plus si la direction n'est pas là. Mais tout ça pour dire que dans la CAP, c'est la direction qui doit diriger ça. Elle n'est pas obligée de parler, pas parler 5 minutes, mais elle est là pour vraiment s'assurer que tout. Parce qu'en fait, même, il faut que ce soit les personnes qui sont là dans la CAP qui doivent s'alimenter entre eux. C'est ça que je voulais apporter. Merci. J'avais une présentation sur les CAP à faire dernièrement, puis j'ai donc relu beaucoup sur les CAP. Si on recontextualise tout ce qui s'est écrit sur les CAP, ça a été d'abord tenté dans la formation générale des jeunes, notamment les conseillers pédagogiques au secteur jeune, qui sont souvent à la commission scolaire, puis ils vont intervenir dans différentes écoles. Fait que je pense que c'est déjà normal en partant que le modèle qui a été pris ne pouvait pas inclure obligatoire un conseiller pédagogique parce qu'il y a des écoles qui n'auraient pas tenu de CAP s'ils avaient attendu d'avoir un conseiller pédagogique chez eux. Ce n'est pas toutes les écoles qui déjà en ont un. Mais c'est vrai aussi que dans plein d'écrits, entre autres, moi, dans ce que j'ai lu sur l'insertion des nouveaux enseignants, le rôle de la direction est souvent les directions n'assument pas bien leur rôle dans le sens où ils ne sont pas présents autant qu'ils devraient l'être. Puis un des exemples qu'on donnait à ça, c'est dans tous les métiers, quand vous commencez quelque part dans un dépanneur, quand vous travaillez dans un magasin, le gérant et le patron, c'est super important ce qu'ils pensent de vous. Dans une école, le patron, c'est le directeur. Dans les entrevues que j'ai faites avec des nouveaux enseignants, ce que les enseignants, dans les choses que les enseignants disaient qui leur manquaient, c'est du feedback de leur direction. J'ai un prof qui me dit, ça fait 2 mois que je travaille ici, j'ai vu le directeur au début pour avoir les clés. Il m'a dit bonjour, puis après ça, je le croise dans le corridor, mais il ne vient jamais dans ma classe pour me dire que ce que je fais est bien. Puis là, j'ai fait le parallèle avec quelqu'un qui travaillerait dans n'importe quel autre contexte. On s'attend à ce que le patron vienne nous voir de temps en temps, il nous dit c'est beau ce que tu fais, tu travailles bien. Mais dans les écoles, c'est comme si ce rôle-là, des fois, n'était pas toujours bien assumé. Puis je dis des fois parce que j'ai vu des directions qui vont prendre le temps de rencontrer les équipes, de circuler dans l'école, mais il y a quelques directions qui se laissent enterré par l'administratif, qui oublie d'aller dans les classes, qui oublie de donner du feedback aux gens. Puis, clairement, c'est normal qu'un enseignant se dise, mon patron, c'est mon directeur, fait que c'est lui qui devrait être là quand je m'assois pour penser au niveau pédagogique. Puis, au côté vision, c'est une vision d'école, ça devrait être porté par la direction. Même si dans nos projets éducatifs, souvent, on va impliquer tout le monde à définir la vision. Le porteur de ça, au final, ça devrait être la direction. Fait que ça, c'est quelque chose d'important.
Je voulais peut-être, si je peux, rajouter un petit commentaire, c'est que pour faire suite à peut-être Sylvie qui disait qu'il se déballe bien des choses dans notre cours, à ma défense, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut qu'aussi je sois capable de dire que ça ne m'appartient pas. Parce que j'ai aussi ça à me tenir debout, à faire en sorte que je ne prenne pas tout, parce que oui, les directions sont débordées par plein de rencontres, par les tables de gestion de ci, de ça. Puis on dirait que, je ne sais pas, je dis bon, ben, OK, c'est pas là, OK, je vais le faire, tu sais. Mais faut que j'arrête de faire ça, parce que c'était le constat des dernières semaines, d'ailleurs, que j'ai dit à la direction adjointe, je dis là, c'est fini. Je ne compense plus parce que de toute façon, ça fait juste dire que vous n'avez pas besoin d'une autre direction, même si la commission scolaire ne donnera pas le OK pour une autre direction adjointe parce que la clientèle diminue. Mais les dossiers augmentent, mais vu qu'il y a moins d'élèves, il n'y aura pas plus de direction adjointe. Puis je suis toute seule. J'ai pas d'enseignants, de soutien. Donc, mais il faut que j'arrête aussi d'en prendre plus. Il y a aussi ça pour donner à la direction. Oui, effectivement, mais... Excuse-moi, Martin. Oui, la page, je t'écoute. Oui, on a à peine 3 minutes qui nous restent. On avait promis de discuter de la question de Natacha aussi, pour ne pas perdre ça de vue. Oui, je veux juste conclure rapidement avec ce que Mylène disait pour vous dire que ça a été documenté le fait que souvent quand on est nouveau dans un poste, puis c'est le cas des conseillers pédagogiques, ça nous prend un certain temps avant d'avoir une identité claire sur ce qu'on est comme conseiller pédagogique puis ce qu'on peut faire. C'est normal au début que les conseillers pédagogiques acceptent des mandats qui ne leur reviennent pas, mais effectivement, plus on prend de l'assurance, plus il faut être capable, comme tu disais Mylène, de dire ça ne m'appartient pas. Fait. C'est quelque chose à travailler. Il y avait une petite question de Natacha donc, qui a passé dans le clavardage, puis je sais qu'on en a parlé, elle et moi, la semaine dernière. Natacha se demandait, en fait, puis tu me reprends si je me trompe, Natacha, mais Natacha se demandait si dans vos cours de sciences, il y avait des laboratoires, un nombre de laboratoires minimal à faire avant l'examen. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça dans vos milieux? Rapidement, est-ce qu'il y a des gens en sciences qui pourraient nous dire qu'est-ce qu'il y en a chez eux? Elle part, elle revient. Elle se fait désirer. Vas-y, on t'écoute. Oui, OK. Alors, en sciences, je suis la CP Sciences à la CSDN, donc c'est un sujet qui me touche. Oui, environ 4 à 5, je pense, c'est la moyenne qu'on se donne, mais il faut s'assurer que ça se fait en cours d'apprentissage et non les garder tout à la fin, juste avant l'examen pratique prévu, pour justement faire de la rétroaction et ajuster l'enseignement en fonction de ça. Qu'environ, ça dépend peut-être aussi des cibles, mais environ, je pense, une bonne moyenne serait de 4 à 5. Et avec beaucoup de rétroaction normalement, c'est la même. OK, donc 4 à 5, puis l'importance de les faire tout au long de la formation, puis pas juste en mettant à la fin avant l'examen, c'est les deux choses. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci, Guette. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient nous partager comment ça se passe chez eux pour les laboratoires? J'ai vu passer Marc-André de 4 à 5 aussi. Puis Mylène qui demande, est-ce que c'est vous qui êtes responsable des évaluations à la salle de test? Est-ce que c'est vous qui parles des conseillers pédagogiques, des enseignants, de qui tu parles, Mylène? Peut-être prendre le micro et juste me préciser ce que tu veux dire. Les CP, est-ce que les CP sont responsables des évaluations à la salle de test? Est-ce que les CP sont responsables chez vous, Mylène? Oui, Mylène? Ça va être plus vite que sur le clavier. En fait, tout ce qui est les mises à jour, les modifications d'épreuves locales, tout ça, la gestion de toutes les épreuves à la salle de test. Okay, je comprends. OK. Est-ce que j'ai vu passer, il me semble, voilà, peut-être la question n'est pas claire, il y a déjà répondu. Stéphane dit oui, c'est nous les CP. Je vous dirais, ma commission scolaire, c'est un travail. Commun entre une enseignante
qui a été dégagé un peu cette année pour mettre ça en place, puis moi comme conseiller pédagogique. Et Sylvie qui dit la modification locale appartient aux enseignants. C'est vrai, mais il était aussi dit dans une lettre, je ne me souviens plus de la source, mais je me rappelle d'une lettre du ministère qu'on a sortie dans une rencontre, où ça dit que ce qui est attendu des... pour la modification d'évaluation, c'est que les enseignants fassent des modifications, mais que les conseillers pédagogiques supervisent puis donnent leur approbation. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé fortement. OK. Natacha, j'ai vu que tu avais écrit. Je pense que je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, si ça t'aide par rapport à ta direction et à ton besoin. Je vais te laisser le temps peut-être de nous écrire là-dessus. Parfait. Je vois qu'il est 14h32, donc on a fait le tour de notre heure déjà. On est parti d'un thème, puis on a un peu brodé alentour. Natacha dit une disparité des nombres. Oui, ben je pense que ça peut normal que ça varie. En fait, pas que ça varie, il faudrait que ce soit une directive du ministère de l'Éducation, puis là, on aurait une uniformité, mais. Je pense que là-dessus, le ministère n'a pas voulu se prononcer, fait que c'est pour ça, je crois que tu as trouvé une disparité. On est une dizaine de conseillers pédagogiques aujourd'hui, mais même pas, parce qu'on a des profs parmi nous. Mais c'est sûr que si on avait plus de conseillers pédagogiques, on aurait probablement encore plus de nombres différents. Il y a plein de réalités différentes. Mais j'espère en tout cas que Natacha, ça t'a aidé avec ta question. Puis je trouve ça intéressant que tu aies amené ta question dans l'après-cours. Je pense que c'est un des rôles qu'on peut jouer à l'après-cours de s'aider à répondre à des petites questions comme ça. S'il y a d'autres personnes qui ont des choses qui pourraient aider Natacha, n'hésitez pas à ben, si vous avez si vous n'avez pas son adresse, juste écrire peut-être dans le document collaboratif, on va laisser une place pour ça. Puis sinon, on va se trouver une façon de t'aider, Natacha, avec ta question. Marc-André précise que l'idée, c'est de préparer l'élève. Hein? Donc, ce n'est pas le nombre, mais c'est la préparation qui devrait être notre objectif. Natacha a mis son adresse dans le clavardage. Si vous voulez la copier avant qu'on quitte, puis si vous voulez y amener des propositions, tant mieux. Je prendrai pas trop de temps parce qu'on a déjà dépassé. Dans le document collaboratif, il y avait le point 4 qui était une prochaine rencontre pour des sujets. J'ai pris l'initiative d'écrire peut-être l'idée des rencontres multidisciplinaires parce que j'ai vu dans le clavardage qu'il y avait quelques questions là-dessus. Donc, je verrai peut-être si on pourrait en faire un thème. Si vous avez d'autres idées de thèmes avant la prochaine rencontre qui est déjà prévue pour le 24 mars, ben, n'hésitez pas à aller dans le document collaboratif puis à l'ajouter au point 4. Nous, de notre côté, avec DAPA, on va essayer habituellement de se parler dans la semaine qui précède, de regarder un peu, voir les préoccupations des gens. Annick va vous envoyer, comme à l'habitude, une invitation. Puis on va continuer sur notre habitude actuelle de faire une petite consultation quelques jours avant pour déjà avoir une idée de ce qui vous préoccupe et de ce qui peut vous aider. Pour s'assurer que l'après-cours soit le plus pertinent possible. Je prends quelques secondes de président de KFGA pour vous rappeler que le programme est disponible en ligne, que les inscriptions vont commencer à partir de demain. Puis pour vous rappeler qu'en tant que conseiller pédagogique ou prof de maths qui se déguise en conseiller pédagogique pour un après-midi, il y a une journée qui est dédiée à vous le 15 avril pour des échanges en personne. Au Sheraton Laval le 15 avril. Fait que, si vous ne venez pas au congrès, vous pouvez au moins venir faire un tour à la journée réseautage. C'est des CP de la FGA comme vous qui vont être là pour animer. Puis, ce qu'on a besoin, c'est de partager. On a la chance d'avoir les après-cours pour le faire. Fait que, donc, on a un rendez-vous le 24 mars pour continuer de partager. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Et puis bonne relâche, ben oui, vous avez donc bien raison.